Bonjour à toi. Voici la troisième vidéo sur une série de 5 et j'espère que ça va t'aider. Donc, vidéo numéro 3, répondre à des questions de lecture. Autrefois, c'était facile. La question 1 répondait à la première phrase, la question 2 répondait à la deuxième phrase et ainsi de suite. Trop simple. Aujourd'hui, où trouver la réponse dans un document? Sache qu'il y a 4 grandes catégories de questions. Et ça va t'aider à trouver la réponse. 4 niveaux. Niveau 1, la réponse se trouve dans le texte. Avec les mêmes mots ou avec des mots qui ont le même sens. Niveau 2, la réponse est sous-entendue dans le texte. Il faut que tu lises plus profondément. Niveau 3, il faut s'inspirer du texte, mais faire appel à des connaissances extérieures. Niveau 4, le texte est inutile pour répondre à cette question. Il y a donc 4 niveaux de lecture à prendre en compte. Et voici mes conseils. Lis le texte au moins 2 fois, tranquillement. Cherche à comprendre. Comme d'habitude, s'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu le cherches dans le dictionnaire ou dans Google. Pour chaque question, reformule-le avec tes propres mots. Pose-toi la question « Qu'est-ce que je dois chercher ?» et réfléchis au niveau de la question. Agis en conséquence. Si c'est dans le texte, recopie. Si c'est sous-entendu dans le texte, reformule. Si c'est en dehors du texte, réunis des informations supplémentaires. Arrête-toi, va chercher dans ton livre, va chercher dans un dictionnaire, va chercher sur une encyclopédie. Si c'est de niveau 4, détache-toi du texte et utilise tes connaissances générales. Voilà, tu vas y arriver. Et sur le site, tu vas trouver un document à télécharger pour t'exercer à répondre à des questions de lecture. Bon courage, bonne réussite et à bientôt !